Tu veux te lancer dans l'immobilier ou tu t'es déjà lancé dans l'immobilier et tu te poses la question, est-ce que c'est le moment de faire du Airbnb? Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la thématique Airbnb. Est-ce que c'est rentable en Allemagne? Est-ce que cela peut te donner un cash flow positif? Alors, pour cette thématique, on vous dit, on se retrouve juste après le générique. Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne, nous parlons des thématiques immobilières, des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite simplement à vous abonner sur la chaîne et surtout à partager à ceux-là que ça peut aider. Comme on le dit sur la chaîne, l'information c'est la clé. Alors nous distillons ces informations-là pour vous aider dans vos acquisitions immobilières. Alors, bien le bonjour à tous ceux-là qui se sont abonnés. On dit que ici on parle simplement d'immobilier. Alors, pour faire un petit récapitulatif des services que la chaîne offre, nous offrons des accompagnements, des financements à tous ceux-là qui ont des biens et veulent bien les financer. On le dit, le financement est gratuit. Ça veut dire que vous avez trouvé votre bien. Le service qu'on vous offre en vous trouvant du financement, ça veut dire trouver une banque qui peut vous accompagner dans votre projet. Ce service est gratuit. Ici, vous nous contactez simplement et on fait cela pour vous. Comme on le dit, on a dans notre portfolio avec des partenaires plusieurs banques qui sont prêtes à financer la celui qui veut se lancer dans l'immobilier. Alors, surtout, n'hésitez pas, on va mettre nos contacts et surtout le téléphone de la chaîne. Vous pouvez nous écrire ou bien que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par mail. Alors, on offre également l'expertise immobilière. Il faut le savoir, l'expertise immobilière, c'est comme goutte à goutte le bien. Le bien immobilier, cela veut dire qu'on a des gens qui ont fait de la formation dessus. Et surtout, on offre des accompagnements dans la négociation du bien. Ça veut dire que quand on a estimé le bien, le prix du bien, ça veut dire si on dit par exemple que le bien vaut tel montant et que celui-là, le vendeur, vous offre à tel montant, comment négocier pour pouvoir entrer ou bien être gagnant dans ce domaine-là. Cela fait partie des services de la chaîne. Alors, surtout, on a plusieurs paquets que la chaîne offre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On se ferait un plaisir de vous accompagner dans vos acquisitions immobilières. Alors, la parenthèse étant finie, on entre dans le vif du sujet, le Airbnb. Alors, le Airbnb, c'est simplement la location saisonnière. Ça veut dire, vous avez votre bien immobilier, vous avez retapé votre bien immobilier, surtout rénové, et vous avez meublé ce bien immobilier-là. Vous voulez maintenant entrer dans le monde de location saisonnière. Ça veut dire que vous mettez sur la plateforme Airbnb, que ce soit Booking, que ce soit Expedia. Alors, dans cette plateforme-là, vous avez des prétendants. Ça veut dire ceux-là qui peuvent acquérir ou bien entrer en possession de votre bien pour 1 ou 2 jours. Ça veut dire que vous avez des prix par nuitée pour le bien immobilier que vous voulez mettre sur la plateforme. Alors, cela veut dire, on va commencer par comment acquérir ce bien immobilier. Vous avez déjà eu à acquérir ce bien immobilier. Vous entrez dans la rénovation. Pour les vidéos de rénovation, vous pouvez voir sur la chaîne, on parle de rénovation. Vous pouvez vous faire une idée quelles sont les rénovations que vous pouvez engager dans un bien. Et surtout, au niveau du design, comment rénover, comment faire le design et meubler la maison. Nous avons des partenaires qui travaillent dans le domaine, ça veut dire ameubler la maison, surtout avec des touches particulières. Comme on le dit, il faut relever l'effet waouh, surtout quand on veut faire dans du Airbnb. Alors le Airbnb en Allemagne est réglementé. Il ne faut pas entrer, on va le dire, dans le piège de dire que vous avez votre bien, vous lancez simplement Airbnb sans vous rapprocher des instances en Allemagne. Car en Allemagne, on le sait bien, tout est réglementé. Ça veut dire que vous devez changer le statut de votre bien immobilier. Car pour les locations long séjour, ça veut dire les locations standard, vous cherchez un locataire, vous n'avez pas forcément besoin d'enregistrer cela à la mairie ou bien de signaler cela. Mais dès lors que vous voulez vous lancer dans du Airbnb, il s'agit d'un gewerbe. Ça veut dire que vous devez enregistrer votre bien immobilier comme gewerbe. Le bien immobilier n'a plus le statut bien pour location. Mais à le statut de gewerbe, ça veut dire que vous voulez faire un gewerbe avec ça. Il est important de signaler, il est important d'enregistrer, car il faut le dire également, c'est pas dans toutes les villes que c'est permis ou bien dans toutes les régions.
Alors, il faut se rapprocher des instances pour demander est-ce que la situation dans la zone où votre bien immobilier se trouve, est-ce que vous pouvez vous lancer dans du Airbnb dans cette zone-là? Alors, dans tous ces points, il est important de se rapprocher. Quand vous avez déjà le OK des instances, ça veut dire de la mairie, vous pouvez maintenant vous lancer dans la rénovation et surtout mettre même le bien, quand vous avez fini les rénovations et l'ameublement, mettre le bien sur les plateformes pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, pourquoi se lancer dans du Airbnb? Nous sommes conscients que les biens immobiliers ont augmenté, les taux ont augmenté, qui sont aussi les taux d'intérêt. Alors, il devient difficile d'être dans un cash flow positif. Alors, ceux-là qui vont dire que bon, on peut faire les rénovations, on est dans un cash flow positif. Tout ça dépend aussi du prix d'achat. Nous savons que si tu veux dans une bonne région, le prix ne serait pas forcément assez bas. Alors, dire que tu vas être dans un cash flow positif, c'est difficile. Alors, ayant fait des rénovations, si vous êtes dans une bonne zone avec, je vais dire quoi, avec des locations qui donnent directement, là, vous avez la possibilité de faire un ameublement du bien immobilier et surtout vous lancer dans du Airbnb si cela est possible, légalement, bien évidemment. Alors, étant possible, vous pouvez maintenant vous lancer dans l'option comment optimiser le Airbnb. Alors, dans l'optimisation de Airbnb, il est aussi intéressant de savoir que vous pouvez être à Francfort, vous avez un bien à Berlin et vous gérez votre bien à distance. Alors, il y a de l'automatisme, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, l'IA. Il est important de savoir que cela entre aussi en jeu, bien évidemment, dans l'immobilier. L'immobilier, vous pouvez également automatiser l'ouverture et la fermeture des portes, et gérer le ubégab des clés, ça veut dire donner les clés aux prétendants locataires ou bien aux prétendants qui veulent prendre votre appartement pour 1 ou 2 nuits. Alors, cet automatisme-là se gère également avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous installez des serrures automatiques, vous installez des codes automatiques que vous devez générer plusieurs après chaque routine, quoi. Alors, ceci veut dire que ayant déjà ce concept-là, nous on peut vous offrir ce concept-là, automatiser vos biens immobiliers. Ça veut dire vous rendre vos biens immobiliers automatiques, que vous n'avez plus la main mise, ça veut dire vous n'avez plus besoin d'être sur place. Nous avons un service qui vous accompagne dans ce domaine-là. Ça veut dire un service qui vient et prend acte de votre bien immobilier, estime si cela est possible dans votre appartement, alors il vous offre les éléments nécessaires pour automatiser votre appartement. Et ceci dit, vous pouvez non seulement gérer avec la femme de ménage, gérer également les entrées et sorties de votre bien, car vous avez une surveillance qui est autorisée. Ça veut dire que vous n'avez pas de caméra, mais bon, vous avez une surveillance au niveau des portes. Est-ce que la porte a été regardée? Est-ce que la porte a été claquée? La porte a été ouverte plusieurs fois? Donc, vous avez ce contrôle à distance et sans forcément avoir une caméra qui est dans l'appartement. Alors, ceci dit, c'est important de savoir si vous voulez vous lancer. Si vous voulez vous lancer, il est important de savoir est-ce que vous voulez rendre cela automatique, ne plus être dépendant de votre bien immobilier. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans du Airbnb. Et surtout, on lui a le dit, le Airbnb, c'est un peu comme l'hôtel. Il y a des saisons hautes. Les saisons hautes, si vous êtes bien placé, vous êtes dans les zones où il y a toujours de la fluctuation, vous aurez, je vais dire, si on prend même l'exemple, par semaine, vous avez même trois personnes qui occupent par semaine, ça veut dire que vous avez 3 nuits sur 7. C'est pas mal. Et si on part en mois, si ça couvre tout le mois, ça fait que vous avez l'entrée d'argent qui est toujours intéressant par rapport à quelqu'un qui loue votre bien immobilier par mois. Mais il est important de signaler ici qu'on ne peut pas faire le Airbnb dans toutes les régions. Les régions doivent être structurées, les régions doivent être avec beaucoup de fluctuations, comme des zones Stuttgart, Francfort, aux alentours, ou bien si vous êtes à côté des aéroports. Donc, il faut faire l'estimation et l'étude du marché, car le Airbnb ne se fait pas partout. Vous ne pouvez pas aller au fin fond, je vais dire quoi, quelle ville, on va dire quoi, au fin fond de Karlsruhe, ou bien Karlsruhe même est un peu intéressant, mais bon. Si tu veux te reculer de Karlsruhe, ça devient plus creux intéressant pour celui qui veut venir visiter la ville. Alors, il est important de faire cette étude du marché-là avant de mettre son bien à Airbnb. Alors, Airbnb a plusieurs formes. Nous aurons l'occasion même de vous présenter les Airbnb que nous avons déjà eu à automatiser. Comme ça, vous allez vous faire une idée comment ça se fait, quel est le design qu'on a donné à l'appartement au niveau de l'ameublement.
et surtout vous aurez d'amples informations pour pouvoir aussi venir profiter des appartements que nous mettons à Airbnb, car cela le dit, il est important de s'entraider à ceux-là qui se lancent dans l'immobilier en tant qu'investisseur. Si vous allez dans une ville, vous connaissez qu'il y a un qui le fait, qui a un appartement, qui aussi a un standing intéressant. Pourquoi ne pas séjourner dans cet appartement-là? Alors, nous aurons dans d'autres vidéos d'amples informations sur le Airbnb et surtout, nous allons vous présenter le Airbnb que nous avons sur la plateforme et surtout, quels sont les éléments que nous avons introduits dans ces Airbnb-là. Alors, c'était ça pour la vidéo. On dit qu'on se retrouve dans d'autres vidéos pour plusieurs informations sur le Airbnb et surtout, les informations concrètes avec des exemples à l'appui. On dit jusque-là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.